Coucou, bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je viens vous montrer un petit cadeau que j'ai reçu d'une abonnée. Et en remerciement pour mon aide. Voilà, alors je n'ai pas fait grand-chose. Je l'aide, je la soutiens, je lui donne des conseils. Bon, j'ai fait des petites choses pour elle, mais c'est pas grand-chose. Et elle, bon, elle a été tellement reconnaissante qu'elle m'a envoyé un cadeau. Donc ça me fait plaisir. Et je viens vous le montrer. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais. Donc bon, voilà, j'ai enlevé un petit peu l'adresse. Voilà, donc je vais fermer. On va l'ouvrir ensemble et on va voir ce qu'il y a dedans. Je vais vous montrer. Alors, on va voir. Ça fait plaisir de. Parce que moi, j'essaye d'aider les gens. Je suis une personne qui est très sensible. Et j'aurais fallu que je sois assistante sociale. Parce que j'aime aider les gens. Je le fais naturellement, pas pour recevoir un cadeau. Après, voici, j'ai un cadeau, mais forcément, ça fait très plaisir. Et je voulais le partager avec vous. Donc, bon, il est bien, bien fermé. Je vais mettre les lunettes parce que je verrai mieux que je casse rien. Voilà. C'est super de fois on a des amis qui sont ici, des copains, des connaissances qui sont à côté de nous et qui ne pensent même pas à. Deux fois à toi. Bon, on a tous notre vie, notre travail, nos enfants. Moi aussi, je cours. Hein. J'ai plusieurs jeux neufs fermés que je dois vous faire les vidéos. Mais bon, je cours. Et on sait qu'on est tous très occupés. Mais c'est vrai que c'est bien de penser un peu aux autres. Un petit peu de temps pour les autres, ça fait plaisir, ça aide. Et ça nous fait voir qu'on n'est pas seul. Voilà. Et là, cette personne, mais je ne la connais pas. On a discuté beaucoup par Messenger. Elle suit mes vidéos. Et en reconnaissance, voilà, j'ai un cadeau. Donc, alors, je vais lui faire un cadeau. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais ce n'est pas grave. Moi, je l'ai aidé avec plaisir, avec amour. Pas pour qu'elle me donne un cadeau. Donc, bon, j'ai un cadeau, je me répète, ça me fait plaisir. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je vais lui faire un cadeau. Voilà, ou un jeu, ou un livre. Je vais voir un peu ce que ça lui plaît. Elle va me dire non, hein, mais c'est pas grave, je vais lui faire quand même. Bon, allez, on va regarder, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Je me mets les lunettes, hein, oui, parce que. Alors, Yolande, merci. Voilà, donc, une petite lettre. Regardez comment c'est beau ce qu'elle m'a mis ici. Voilà. Donc, bon, je vais essayer de ne pas être trop longue hein, pour pas. Bon, donc je pense que je vais la lire au moins. Regardez ce qu'elle m'a mis aussi pour fermer la lettre. C'est très très joli. Voilà. Voilà, il marque juste deux petits mots. Yolanda, voilà, vous voyez. La magie d'Internet fait croiser de belles âmes. Merci à toi pour tout. Rares sont ceux qui sont sur ma route qui m'ont tendre la main. Vous voyez, bon, je ne lis pas plus parce que je pense qu'elle est pour moi. Mais il me remercie de tout ce que j'ai fait pour elle, que je l'ai écoutée et que je l'ai tendue la main. Voilà, donc je te remercie de ce que j'ai fait. Je l'ai fait pour toi, pour t'aider. Et si ça a pu t'aider, mais je suis heureuse. Bon, allez, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'elle m'a marqué? Voilà, alors, un petit cahier. Voilà pour écrire. Voilà, comme ça je vais écrire mes guidances et tout ce que je dois faire, hein, que je dois vous montrer aussi, si je n'ai pas trop le temps. Une autre aussi, c'est bien, on a toujours besoin des cahiers. Alors celui-là, il y a des petits carreaux. Et celui-là, il y a des petits traits. Non, il n'y a pas de petits traits, c'est l'autre qui a des carreaux. Voilà. Donc oui, très très joli, noir, un petit peu noir doré. Bon, ça fait toujours plaisir pour écrire. Voilà, c'est. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis ici? Alors, un jeu.
Voilà. Les 22 étincelles de la vie. Un jeu que je le connaissais jusqu'hier, parce que hier on m'a offert un. Voilà, le même, ça arrive, voilà. C'est une fille du travail qui m'a offert le même. Elle avait chez elle, il n'est pas neuf, il avait chez elle, elle m'a dit tiens, je ne le veux pas, il me l'a offert. Donc j'en ai deux. Bon, mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Hein. Alors, c'est les 22 étincelles de la vie. Voilà, c'est un jeu de... Je les connais pas, hein. Je ne me suis jamais servi. Je vous montre les deux, il y a plusieurs couleurs. Voilà. Et devant, c'est des cartes un petit peu comme ça. Voilà. Il y a différentes couleurs pour différents sujets. Je vous ferai une vidéo aussi détaillée du jeu, hein, puisque l'autre personne me l'a offert hier, je n'ai pas eu le temps de le voir. Voilà, regardez, un autre style de carte. Je suis une... Voilà, ça c'est une... C'est un jeu aussi de guérison, hein. c'est pas prédictif ça, mais on a tous besoin de guérir notre âme. Hein. Mais écoute Valérie, je suis très contente, merci beaucoup. Je ne l'ai pas, donc je vais l'étudier, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser, c'est très très gentil. Et bon, peut-être si tu ne l'as pas gardé, c'est que tu n'as pas eu de connexion. Ce n'est pas bien grave. La boîte, ne t'inquiète pas parce que j'ai des feutres de toutes les couleurs, des marqueurs. Je vais les colorer pour qu'on le voit moins. Et elle trouvera une place dans ma bibliothèque. Il va falloir que j'achète un deuxième. C'est très très gentil, merci beaucoup. Merci. Alors, c'est un oracle Déborah Wakinin et Gérard Attias. Je ne sais pas si quelqu'un ça l'intéresse, peut-être. Voilà, je vous ferai une vidéo. Hein. Et encore, mais il m'a mis plein de choses, mais elle est folle. Hein. À ouvrir et merci pour tout. Encore. Alors, on va l'ouvrir, bien sûr. On va voir. Qu'est-ce qu'elle m'a mis ici? On découvre. Alors, il y a plein de petites choses. Alors, un cœur en cristal de roche, un quartz rose. Voilà, oui, c'est du cristal, c'est des quartz rose qui est très très beau. Mais écoute, je me ferai un pendentif, un collier et je le mettrai dans mes prochaines vidéos. Merci beaucoup. Mais il fallait pas. Hein. Alors, ici, tu m'as mis encore... Un autre petit pendentif que je vais accrocher aussi. Peut-être je le mettrai dans un bracelet, celui-là. Voilà, qui est très, très, très mignon. C'est très joli. Et là, il m'a mis une pierre. Attendez, qu'il faut que je fasse attention pour pas casser. Voilà. Alors, regardez comme elle est jolie. Elle est très, très, très belle. Dans le vert, clair vert. Et là, j'ai encore une autre... Alors, non, que je jette rien, hein. Moi, qui m'en mets des petits papiers partout. C'est très gentil, très, très, très gentil. Là, je me suis acheté un bouquin pour faire du macramé, quand j'aurai un petit peu de temps. Et je voudrais aussi me lancer à faire des petits colliers avec des pierres énergétiques, comme ça, des pierres de protection. Et je pourrais le faire pour me faire un collier. Voilà, il faut juste que je le tende et la patience. Et là, attendez, je vois autre chose, vous voyez, c'est des petits paquets là, qu'elle m'a mis. Attendez que je jette rien. Et oui, on est comme des enfants en train d'ouvrir des cadeaux, hein. Oh, voilà, c'est très très joli, une goutte avec un pentacle. Je ne sais pas si vous le voyez. Si, hein. Alors, attendez. Voilà, vous le voyez là, le pentacle. Voilà, je vous embouche un peu plus. Voilà. Très, très, très joli. Ça, je n'en ai pas un comme ça. Très, très beau. Et là, encore une autre petite. Mais tu es folle, hein, mais tu as vu tout ce qu'elle m'a mis, mais quand même, pour me remercier, c'était pas la peine d'envoyer tout ça à la Vierge. Voilà. Cela et cela, je pourrais les mettre dans un bracelet que je vais me faire. Je vous le montrerai.
Voilà. Alors j'enlève tous ces petits papiers que je pense que j'ai rien. Très très gentil. Je te remercie. Je suis gênée parce que c'est des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on aide simplement parce qu'on veut aider et qu'en échange, on a des cadeaux, quoi. Alors, elle m'a bien regardé, hein, elle m'a bien empaqueté tout ça. Mais tout ce papier-là pour bien protéger. Alors, je vais enlever, je le jette, je le remercierai après. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis ici? Attendez, je l'ouvre à fort à mesure parce que j'ai peur de tomber quelque chose de cassé. Alors, donc là, il n'y a rien. On va bien protéger. Alors, on ouvre, on continue. Et bien. Bon, vous découvrez en même temps que moi. Hein. C'est, bon, ça fait plaisir. Hein. Alors. Petit ange, ah c'est très mignon là, ah j'adore, j'adore. Quand j'étais plus petite, je collectionnais des boules comme ça avec des paillettes et la neige qui tombait. Un petit ange, mais c'est super, merci beaucoup. Un petit ange qui est en train de lire un livre, parce qu'il faut toujours, toujours, tous les jours on apprend. Alors je vais le mettre ici. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez ici. Voilà. Il va falloir que mon mari me mette une étagère pour mettre tout ce que j'ai, parce que à force, je plus de place. Alors, bon, on continue. Bon, j'enlève les papiers encore. Mais, mon Dieu, mais elle est folle. Mais elle est folle. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis ici encore? Alors, en plus, bon, il me l'a mis très très bien emballé, parce que à la poste, hein, bon, je veux pas critiquer, mais... La poste, je vois bien comme ils mettent les colis, comment ils les emboîtent, comment ils les jettent. Des fois, je reçois des colis qui ont des choses cassées. Il y a Murmure de Gaïa qui m'avait offert un colis avec une espèce de boule, avec une petite plante, elle est arrivée toute cassée. Ah, mais c'est le copain à l'autre. Mais c'est super. Voilà, ça c'est le compagnon là. Très très joli, un petit ange. Encore, regardez. Bon, mais écoutez, comme ça, je mets une de chaque côté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valérie. C'est super. Allez, on les met toutes les deux ici. Ça accompagnera mes guidances. Voilà, vous le voyez? Voilà. Voilà, Valérie, tu sauras qu'elle sera là. Et encore, bon, qu'est-ce que tu m'as mis encore? Mais... Alors. Un livre. Alors, les enfants et le paranormal. Et oui, celui-là, je ne l'ai pas. Les enfants vivent dans le monde mais des monstres. Et oui, je vais le lire. Alors, les enfants et le paranormal, des témoignages inédits. Les aventuriers de l'étrange. Regardez, je vous le montre au cas où ça peut intéresser à quelqu'un. Voilà, je le lirai. J'ai plein de livres à lire aussi. Hein. Je suis une femme. je sais, des fois, j'ai honte de le dire parce que je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas et... Merci beaucoup. Le soir, je lirai. Hein. Déjà que mon mari m'engueule parce que je suis portable. Là, bon, si, il préfère que je lise. Merci beaucoup, Valérie. Merci, merci. Je ne sais pas quoi te dire. Et ça continue, et ça continue. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis ici? Ose très bien protégée. Alors, une enveloppe. Oh, c'est fou, mon Dieu. Mon agenda des sorcières 2018. Voilà. Mais merci beaucoup, mais il fallait pas. Voilà, tu dépenses des sous, ça m'embête. Mais c'est très très joli. Regardez. Voilà. C'est l'agenda pour 2018. Et en plus, bon, il te marque des potions. Regardez ma potion de la semaine. Tous les jours, il y a... Voilà, ma gourmandise de la semaine. Tous les jours, je pense qu'il y a une recette ou une potion à faire.
Ma plante sorcière de la semaine, la chicorée sauvage. Il t'explique un petit peu chaque jour. Peut être joli. Regardez, là, il te dit semaine 8, février. L'améthyste a le pouvoir de diviser les pensées mauvaises et d'affiner votre intelligence. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, tous les jours, il y a un message, ma pierre de la semaine, l'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre violette. Je vous en parlerai aussi des pierres parce que je me connais quand même beaucoup. Les pierres aussi, c'est pareil que les oracles, ça fait des années, des années, des années. Je pense que j'ai tous les livres, ou presque tous les livres sur les pierres, j'adore ça. Et bon, j'ai ma copine qui m'a dit, ça ne sert à rien d'avoir autant de livres parce que des fois, il y en a qui disent le même. Mais des fois, chaque auteur, il te dit un truc supplémentaire et comme j'aime les pierres, ça ne me gênait pas. Il faudrait que je vous fasse un jour une vidéo de tout ce que j'ai, mais j'ai beaucoup, franchement, j'ai beaucoup de choses. Il faudrait que je les divise en plusieurs parties parce que sinon, ça pourrait durer très 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 longtemps entre les jeux, les oracles et tous les livres que j'ai, comme je suis passionnée. Donc, des livres, des pierres, j'en ai beaucoup. Donc, après, j'ai mes préférés, j'en ai certains que je prends tous les jours. Il y en a que je les sais presque par cœur, d'autres que je connais moins. Ça dépend si c'est pour la santé, pour le bien-être, pour la protection. Mais écoute, merci beaucoup. Valérie, je suis gênée parce que, encore une fois, tu es vraiment gentille de ce que j'ai fait pour toi, c'est pas grand chose pour m'offrir tout ça. Je sais que ça coûte de l'argent et des fois il y a des personnes qui sont dans les besoins et je suis gênée, je te remercie et je vais te faire un cadeau moi aussi en espérant que ça te fera plaisir. Bon, il reste encore autre chose. Et ah là là, regardez, elle m'a mis un petit papier. Oh là là, mais tu es folle, je le vois déjà. Regardez, elle m'a mis le petit papier avec les petites fleurs qui se collent. Je vais l'ouvrir sans trop casser le papier. Malheureusement, on doit les casser parce que c'est un papier très fin. Tu es folle. Mais je comprends pas. Voilà. L'énergie des anges et des cristaux aussi, il est vraiment très très beau ce jeu, très 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 joli, merci beaucoup, il fallait pas, tu te rends compte de tout ce que tu as dépensé Valérie, juste parce que c'est pas grand chose ce que j'ai fait pour toi, je te le promets, c'est venu de l'âme, je te remercie parce que il y a beaucoup de monde qui pense que tous les jeux que j'ai, on me les a donnés, on me les a offerts. Et non, non, je les ai tous achetés. Juste, je vous rappelle que bon, j'ai 52 ans. Et oui, hélas, oui. Et depuis que j'ai l'âge de 17 ans, j'en achète depuis très longtemps. Pour les cadeaux des fêtes de mère, pour les anniversaires, pour Noël, pour n'importe quelle excuse. Quand je suis partie de mon travail pour venir, quand j'ai déménagé, ils ont fait une cagnotte parce que j'ai demandé plutôt que m'acheter quelque chose que j'ai. Une cagnotte, c'est vrai que c'est bien, donc ils m'ont fait une cagnotte, j'ai pris tout l'argent, je me suis acheté que des jeux, que des livres. Et voilà, il n'y a que deux jeux qu'on m'a offert, deux, voilà. Il y en a certains jeux qui m'ont offert les abonnés, comme regardez celui-là. Il y a deux abonnés qui m'ont offert un jeu, et il n'y a que deux éditeurs qui m'ont offert un jeu. Sinon, tout le reste, c'est moi qui tout acheté. Ne pense pas que c'est tout offert par des éditeurs parce que non. Ils aiment bien qu'on les fasse de la pub, mais bon. Moi, on m'a offert le Drao. C'est super parce que bon, c'est un oracle que j'aime beaucoup. J'ai le 77 que j'adore. C'est un oracle qui, je pense, c'est l'oracle de ma vie. Bon, j'adore le Béline aussi. Entre autres, bon, il faut que je vous fasse une vidéo de mes 10 jeux top. Je vous la ferai. Bon, bref, c'est pour vous dire que j'ai beaucoup de jeux, mais depuis longtemps. Il y a des personnes qui me disent, mon Dieu, je n'ai pas beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, petit à petit, les choses arrivent, ils viennent. Voilà, quand on est passionné, mais petit à petit, on collectionne, il y en a des jeux depuis très longtemps. Et écoute Valérie, je ne sais pas quoi te dire, merci beaucoup pour ce magnifique jeu, on va l'ouvrir. Hein. On va l'ouvrir.
Donc, en plus, j'adore les pierres. Donc, bon, elle le sait parce que je fais des pochons, des protections, je fais des pierres, je fais des colliers. J'envisage de faire une vitrine sur Etsy pour vendre aussi tout ce que j'ai fait, tout ce que je crée parce que ça me fait plaisir. Je le ferai spécifique pour la personne à la demande. Je ne ferai pas un truc à la chaîne. Hein. Je ferai quelques photos, mais après, chaque personne aura besoin de quelque chose de spécifique. Je ferai quelque chose de spécifique pour la personne. Et bon, les cristaux et les pierres, j'adore ça. Voilà. Allez, on va l'ouvrir. Donc, c'est un coffret assez rigide, costaud, mat. À l'ouvrir. Voilà, la boîte à l'intérieur jaune. Le livre qui prend la surface assez gros. Je vous ferai une vidéo parce que là, je vous le montre vite fait. Assez gros de la description. Il y a 245 pages et chaque lame, bon, le livre il est en blanc et noir. Chaque lame, il y a une description. Voilà, de la carte. Bon, je ne sais pas plus, il faut que je l'étudie celui-là. Alors, il vient avec un pochon argenté, très très joli, c'est super. Voilà, et les cartes. Alors, une chose, ça n'a rien à voir avec toi, Valérie, une chose qui font des fois les éditeurs, qu'il faudrait quand même qui réfléchissent un petit peu, hein, c'est une petite critique, je ne sais pas si c'est des hommes qui n'ont pas trop dans le détail. Vous voyez cet oracle, ils ont mis les tranches or. Donc, logiquement, si tu es un petit peu, je ne sais pas, subtil par rapport à un ensemble, au détail, c'est que s'il a les tranches or, on doit faire le pochon or. Si le pochon il est argenté, pour moi, c'était logique que les tranches soient en argenté. Alors, je pense que les couleurs or sont moins chères que l'argenté parce qu'il y a une majorité des cartes en or. Bon, voilà, c'est un petit aparté parce que je suis perfectionniste. Voilà, donc voici les lames. Il y en a combien, je l'ai dit ou pas? Non, 54 cartes. Alors, on va enlever le papier. Voilà le dos. Souple, mais de bonne qualité. Alors, c'est des pierres, l'énergie des anges et des cristaux. C'est un mélange. Voilà, je vous montre quelques-unes. Je vous ferai une vidéo. Que je mette comme ça. Elles sont très colorées, très jolies. Hein? La perfection divine. Eh oui, ce que je cherche moi chaque fois. Et oui, je suis perfectionniste, mais la révélation. Il y a des super belles cartes avec des images magnifiques, le jeu sacré. Voilà, donc la malachite, regardez comment elle est belle, cette pierre, elle est super belle. Et en plus, une pierre qui est très bonne pour les articulations. Hein. Je vous parlerai un petit peu de. Voilà, elle est belle. On peut, quand on aime les pierres, on peut tous les jours mettre une pierre différente assortie, un collier ou un pendant. Je fais aussi des petits pendants, de long, de moins long. Et ça fait un bien-être et en plus, on est belle. Voilà. Je le fais aussi pour les hommes parce que les hommes, on peut aussi porter des colliers. Hein. Bon, écoute, Valérie, merci beaucoup. Je te remercie, je suis gênée de ce que tu me offres. J'ai pas fait grand-chose, je te le répète, j'ai pas fait grand-chose. Ce que je le fais par amour, par plaisir, pour aider, parce que je suis comme ça, je suis une personne très sensible, très humaine. On me dit fleur bleue, bon, c'est pas grave, hein. C'est comme ça, je suis comme ça. Voilà. Écoute, je te remercie. Je vais t'envoyer un cadeau, voilà. Je vais te montrer ce que j'ai et tu vas choisir et tu vas me dire ce que tu veux. Et du fond du cœur, je te remercie.
Voilà, merci beaucoup Valérie pour ta générosité. Merci. Merci à vous tous d'avoir vu cette vidéo avec moi, de l'avoir découvert avec moi tous ces cadeaux offerts avec amour. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Au revoir.